En ces temps anciens, les hommes se déplaçaient de par les routes et les chemins. Ils avaient inventé un objet roulant qu'ils idolâtraient jusqu'à leur donner de doux noms de femmes, Mercedes. Mais un jour vint où il n'y eut plus de place sur Terre pour les hommes, alors l'automobile fut proscrite à jamais. C'est alors que des groupes de résistants bravèrent cette interdiction. Des hommes libres continuèrent à défroisser les tôles au péril de leur vie. Cette histoire, mesdames et messieurs, est l'histoire des carrossiers. Paris. Ici la voix. Votre mission, si vous l'acceptez, est de sauver une voiture. Il vous faut la décabosser. Comme toujours, si l'un de vos carrossiers était pris, nous n'irons avoir eu connaissance de cette mission. Si vous êtes pris, vous êtes pris. Hein? Bonne chance, Fabrice. Good luck. Gutes Glück, suerte amigo. C'est bon, j'ai compris. Ouais, on a compris. Agent Eddy. Comblement chimique. Agent Mathieu. Doum. Agent Julien. Redressage. Agent Cyril. Préparation. Agent Jérémy. Soudure. Ce soir, messieurs, il s'agit de sauver bien plus qu'une voiture. Il faut sauver la DS, millésime 69. What? La voiture du général. Mais de quel général s'agit-il? Vercingétorix. On a pas? Non, Bobby Marley. Non, Jules César. Et toi? Toi? Chef Khalid. Ouais. C'est la déesse du général de Gaulle, monsieur. Ami, entends-tu ces bruits sourds du pays qu'on enchaîne? Stop. Nous avons que 3 minutes 30. Tu t'oublies, on a 10 minutes 43. Exact. Au travail, monsieur carrossier. Présenté, Marteau. C'était notre dernier groupe de la soirée, le groupe numéro 58 dans Le marteau a frappé là où la tôle a froissé. Le thème qu'ils avaient choisi, leur métier, ils viennent du Centre des formations industrielles CCIP. Ces jeunes sont en CAP carrosserie et la mise en scène est de Aziz Kabouche. Interprété par Fabrice, Mathieu, Adi, Cyril, Jérémy et Julien, que l'on peut encore applaudir.